J'ai trouvé cet outil sur un terrain vague. En fait, il y a des artisans qui ont visiblement terminé un chantier, amateur ou professionnel, hein, et qui ont escampé dans un fossé plusieurs outils. Et passant devant, moi, ça me fait mal au cœur de laisser pourrir des choses comme ça qui peuvent encore servir. Donc, je les ai récupérés. Et le jour où j'en aurai besoin, si ça se trouve, ce sera plus tôt que je ne le pense, je l'aurai déjà sous la main et j'aurai pas besoin d'aller courir à Brico Dépôt, Castorama, Leroy Merlin, de me frapper le trajet, l'ambiance sur place, me balader dans un immense supermarché juste pour acheter un truc. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui pensent que j'aurais pu m'arrêter après le premier ponçage à la brosse métallique. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après le traitement anti-rouille, je pense que c'est bien parce que je le stocke en extérieur. Ça me coûte rien, c'est un anti-rouille que j'avais acheté pour mon véhicule, donc ça me coûtait rien de le tester. C'est l'anti-rouille le moins cher que j'ai trouvé sur Internet, je vous mets les références dans la description. Il y a des gens sur Internet qui poussent beaucoup plus loin le délire, hein, qui vont jusqu'à polir la surface du métal de sorte que ça devient un miroir, qui ensuite le polish, qui refont le manche très très proprement. C'est très très joli. Je vous mets des exemples de ces chaînes dont je suis moi-même très friand. Il y a Blackbird Project, Restore It. Je vous mets toutes celles que je connais dans la description. C'est très très joli à regarder. Seulement, excusez-moi, mais ça sert à rien. Moi j'ai besoin d'un outil. J'ai 3 milliards de projets en attente. Je ne vais pas passer 5 heures à astiquer un couteau à peindre ou une spatule. Voilà, moi j'étais vraiment dans une démarche d'utilité. En plus, ces créateurs-là que vous connaissez probablement, ils vendent leurs objets ensuite sur Etsy. Donc, on n'est plus dans l'outil, là, on est dans l'art. Je voulais aider les bricoleurs débutants, les adolescents, à avoir une piste, si jamais ils tombent là-dessus, de savoir que finalement, avec un coup de brosse métallique, déjà, on fait une grande partie du travail, et bingo, on a un outil qui va nous permettre de faire des choses dans notre vie. Si vous aimez l'idée derrière ce projet, je vous invite à vous abonner et surtout activer la cloche, sinon ça sert à rien. Vous pouvez vous abonner par mail si vous préférez, si vous le souhaitez, c'est gratuit. Ciao!